l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Portes, élevez vos linteaux, élevez vos portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Amen. Anou chita na pe priye. Papa nou ki nan siel la nou bini nou. Aswe sa pou yon lot okasyon ko ban nou pou nou ensemble. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes de nous réunir autour de ta parole et pour l'étudier et pour connaître ta volonté. Nous demandons au Seigneur pour pardonner nous de péché nous, de iniquité nous, de faute nous et aswe a nous demander au sous base parole pour purifier nous, rendre nous dignes, non seulement pour nous ouvrir parole, mais pour nous expérimenter présence ou puissance, et pour que nous soyons capables de comprendre plus que jamais le plan qu'on a pour nous. Assoyez à demander au Dieu, on va toucher s'il y a eux qui sont présents dans l'espace ça, et s'il y a eux qui sont en ligne, qui vont étudier avec nous. C'est vous-même qui te dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous prions par ton Saint-Esprit, pour illuminer nous, éclairer nous et faire que parole ou capable un instrument que Saint-Esprit va servir pour édifier nous, pour grandir nous dans la grâce. N'a pensé à ceux là qui malade dans mitan nous, na assemblée ou qu'on est ou pas au nom du Seigneur. Côté au yé la caillou, côté au coucher, côté à souffrir soit émotionnellement, physiquement et mentalement. Nous demandons, on va toucher au Seigneur par ton bras puissant. Ça, eux qui en ligne, au Dieu, qui est avec nous. Et quel que soit et ça qu'ils ont expérimenté, qui causait du chagrin, de la tristesse, au nom de Jésus, nous demandons que ton Saint-Esprit touche. Nous prions, et Père éternel, pour ceux-là qui sont troublés dans le monde, soit ceux-là qui sont dans les pays qui sont en guerre, et comme. Israël et Gaza, comme Ukraine, Russie et d'autres pays encore qui troublent, nous demandons que, surtout pour petit ou cap vivre dans le pays, ça, yo, on va jeter un regard favorable sur eux. On va faire écran autour de eux-mêmes pour assurer leur protection et provision. On va demander pour jeter un regard sur le pays de Haïti, Seigneur. Nous capables de dire, tant que le serviteur l'a dit, nous sommes sans force. Devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Seigneur, nous continuons à espérer dans nous, pour qu'on soit capable de faire au-delà de ça nos pensées, de ça nos mandats pour pays nous, Haïti. À ce moment-là, nous demandons, on va jeter un regard également sur le pays dans lequel nous trouvons nous. Et on te dit à ton saint serviteur que. Pour ne pas oublier pays dans lequel nous avons séjourné, parce que bonheur nous dépend de bonheur pays ça. Voilà pourquoi nous demandons pour capable qu'imbé les États-Unis d'Amérique et si là qui est au ciment des affaires fait que les pays ça capable rester soudé à moralité judéo-chrétienne pour que fondement pays ça capable qu'imbé à cause de tes élus qui crient à toi jour et nuit Seigneur. Nous demandons au côté prière, papa. Bénis-nous tous en abondance à soya. Bannons un bon moment et fait que tant que nous va passer autour de parole, nous va avoir un temps qui bénit. C'est prière nous adresser à vous-même. Pendant que nous demandons de remplir nos pensées avec Saint-Esprit pour nous joindre clarté dans le langage, dans les mots qu'il faut pour nous assurer l'étude ça. Au nom de Jésus, nous prions à Jésus seul, soit l'honneur, la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Assoyez on a fait bref deux lectures pour même et puis à partir de lecture ça yo n'a pas ouvrir étude là et pour un bagage m'a attiré attention sur lui même c'est que et dernièrement nous t'a étudié plusieurs
grandes religions du monde. Nous avons étudié l'islam, nous avons étudié le judaïsme. Mais nous avons penché sur un point que nous n'avons pas de temps et touché. Et avant que nous avons point lié, je vais tourner le bibou avec moi, c'est dans Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er, m'appelle pour même les 12 premiers versets. Jean chapitre 1er. M'espère que vous joignez. Et pendant que vous joignez, je vais faire lecture là pour même. Tenez qui ça le dit. Au commencement, était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour un témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour un témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, et m'appelle verset 13-14 là tout, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ça, c'est la première lecture que nous faisons. Et puis, ma fond deuxième lecture, avant que m'annoncer au sujet, c'est dans Romains chapitre 11. Romains chapitre 11. Et on peut tourner là-dedans. Et puis, ça permet de courir. Alors, on va suivre la lecture que nous allons faire dans verset ça. C'est à partir du verset 25, Romains chapitre 11. Tandis qu'il s'en dit, il dit, car, l'apôtre Paul, poussé par l'Esprit, écrit ça, car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sage. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Ok, Assoya, je voulais saisir partie que Pat Guintan abordé dernière fois que nous avons étudié Israël et le judaïsme et nous voulais étudier ce sujet ça la conversion d'Israël. La conversion d'Israël. Bon, l'entend de la conversion d'Israël, qui ça faut réfléchir, qui ça faut qui côté ça mène en matière de réflexion. Réalité, c'est que il est vrai que Israël, comme on nation, t'es retourné en nation le 14 mai 1948, qui dans la dispersion. Puis on va le tourner, donc gros mouvement, le sionisme. Et puis après, en pile goumen, en pile bataille, ils ont reconquéré le territoire, ils ont formé l'État d'Israël. Et d'après prophétie, qui dans Ézéchiel 37, 38, 39, 39, côté que, alors il y a partie de Ézéchiel 36, 37, Ézéchiel t'a trouvé non vallée qui chargé ossement. Et puis, et bon Dieu dit, il soufflait sous Zoyo. Et il va reprendre vie. Et qui ça qui arrive? Ézéchiel, ouais, que dans vision dans Valéa, Zoyo vraiment commencé à camper, vient monter sous yo, excepté que il n'y a pas de gain vie. Là, l'histoire, la réalité qui est
qui des visions Ézéchiel là, c'est que l'Israël tournait dans le pays, viande poussée sous ossement, yo forme une nation, mais seul ça qui est important à ce point, c'est que la vie divine pour la nation. Bon Dieu pour qu'on prenne possession de nation. Ils ont formé un État, mais ils ont pas rentré dans la ligne bon Dieu, dans la mesure où Israël pas croit que Jésus-Christ est le Messie. Qui fait que c'est aussitôt, alors m'a anticipé, c'est aussitôt que l'Église a enlevé, bon Dieu pourra recommencer le travail avec Israël, et c'est là ça, l'Esprit bon Dieu pourra l'éclairer, le ça y a pour prendre vie, conformément à vision Ézéchiel lorsque le terroir sousment dans Valéa et yo te gen chair qui montait sous yo mais yo pas de gen vie et il faut que il te prophétisé sous yo pour que il te reprenne vie. Alors m'a tout fait clair pour même Israël son nation depuis 1948 j'ai formé l'État d'Israël mais yo poko nan ligne bon Dieu ya. Yo poko retourner le peuple de Dieu. Et c'est raison ça qui fait que nous capable parler concernant la conversion d'Israël. Et nous elle là oui, dans verset 25, l'apôtre Paul écrit dit comme ça et dans Romains 11, je ne veux pas frère que vous ignoriez ce mystère afin que vous ne vous regardiez point comme sage. Il dit une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et puis il dit, alors lorsque il dit la parler concernant Israël entrer dans l'endurcissement, il fait référence à tout juif qui par contre bon Dieu. Et jusqu'à ce que la totalité des païens soit rentrée, ça fait référence à nous-mêmes. L'ère de la grâce, l'ère de l'Église, côté que l'Évangile, tout le monde a accès à lui-même et tout le monde a accès pour recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Toujours est-il, même dans la dispensation de la grâce là, il y a une série de juifs, il y a les juifs messianiques. Juifs messianiques, c'est juifs qui croient que Jésus-Christ est le Messie. Et juifs, ça, ils n'ont pas compté parmi Sandekarel et Israël qui n'ont pas d'endurcissement parce qu'ils croient que Jésus-Christ est le Messie. La réalité, c'est que le païen croit en Jésus-Christ, il rentre dans l'Église. Le juif croit en Jésus-Christ, il rentre dans l'Église. Tous les deux groupes formés, il y a un seul peuple. Et le Christ tournait pour lui l'enlever, l'a pas enlevé, et juif chrétien, et pas un chrétien. Il faut toujours faire différence là. Il y a une différence entre Israël, l'Église, païen. Un juif converti, un païen converti, pas une différence encore. Ils ont entré dans l'Église. Et peut-être dans Galates 3, verset 28, il dit comme ça, « Il n'y a maintenant ni grec, ni juif, ni barbare, ni libre, ni esclave, ni scythe. » Il dit, « Car Christ est tout et en tous. » Alors, nous faisons référence à juifs messianiques. Il y a environ 2% et 2% population Israël, qui évalue entre 8 à 10 millions d'habitants, il y a 2% israéliens ou bien juifs, qui sont des juifs messianiques, qui croient en Jésus. Mais la majorité des juifs de la population d'Israël, ils n'ont pas cru que Jésus-Christ est le Messie. Ça qui veut dire que c'est dans le contexte ça, Romains 11, verset 26 dit, tout Israël sera sauvé. Qui le tout Israël a sauvé? Qui la majorité juif qui vient pour tourner vers Christ à la fin des temps? Pas dans le temps ça, à la fin des temps. L'obtenir des nouvelles sur Israël, l'obtenir garder Israël, songez que c'est une nation que Dieu a choisie en vertu de l'alliance qu'il avait eu avec Abraham c'est une alliance inconditionnelle et tout ça bon Dieu a fait pour Israël Kounia l'a fait sous base alliance qu'il t'a fait à Abraham. Mais Israël dans lui-même, le peuple Israël, son peuple actuellement qui est dans l'endurcissement, puis qu'on regarde un juif, quel que soit côté, il y a dans la synagogue pour penser son paquet de bagages, ça n'a pas représenté rien,
Parce qu'avec Christ qui vient sous terre, avec le Messie qui mourit, qui ressuscité, tout le monde pour pouvoir joindre bon Dieu, il faut qu'on passe par Jésus. Ainsi, on peut parler de la conversion d'Israël, parce que Israël pour qu'on convertit. Israël pour qu'on convertit. Maintenant, ça fait beaucoup converti, parce que il n'a pas jamais accepté que Jésus-Christ est le Messie. Qui l'a converti? La Bible a dit comme ça, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, une prophétie pour ça, Romains 11. Le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Il dit, ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leur péché. Pour louer tes péchés, il faut que Israélite croit que Jésus-Christ est le Messie. Lorsqu'on est dans Jean 1er, il y a quelques bagailles avec vous pour noter qui progression ça prend qui menait Israël dans l'Ingza à côté que le pays a pas converti. Mado, regardez, il y a un pays païen, mon adoré idole, ou capable de pointer pays ça du doigt, dit son pays païen, mon adoré idole. Mais regardez Israël et son y aurait la terre sainte. Comment comprendre côté relier la terre sainte et puis monde qui occupe terre yo pas converti. À pas réfléchir. Et Bible dit et Bible dit yo pas converti. Ainsi c'est pas parce que caillou sur la terre sainte et parce que grand morceau terre sur la terre sainte qui faut saint pour ça. Autrement tout 8 10 millions juifs yo ta saint. Mais Bible dit que yo pas sauvé. Bible a dit tout Israël sera sauvé lorsque le libérateur qui est Jésus viendra pour ôter leurs péchés dans la mesure que vous croyez dans lui. Il y a quelques barèmes les souligner avec vous, par exemple lors de Jean 1er. Mais pour les barèmes que je voulais souligner avec vous par rapport à cette affaire de Messie, par exemple lundi Messie, nous l'avons dit celui là que Dieu a envoyé, le Christ que Dieu a envoyé pour sauver l'humanité. Malgré tu as plusieurs tu as prophéties sur ça. Au minimum 300 prophéties que Christ accomplit, qui accomplit dans Christ plutôt. 300 prophéties qui accomplit dans Christ, prophéties qui étaient dans l'Ancien Testament qui prouvaient que Jésus-Christ est le Messie. Malgré ça, je ne suis pas quoi. Je vais vous noter avec vous dans Jean 1er. Dans Jean 1er, nous voyons le Messie refusé. Notez le premier point avec moi. Le Messie refusé. Il dit dans Jean 1er, verset 1er, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était, qui ça? Dieu, ça fait référence à Jésus-Christ. Il dit, elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, Jésus-Christ. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Encore, ça fait référence à Jésus-Christ. Il dit, en elle était la vie, dans Jean 1er, verset 4, et la vie était la lumière des hommes. Malgré Jean-Baptiste annoncer Jésus-Christ, fait tout le monde connaître Jésus, c'est lui-même, il n'y a pas, juste, il n'y a pas. Recevoir. Il dit, il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoin à la lumière, afin que tous crussent par lui. Avant Jésus-Christ vini, Jean-Baptiste, cousin Jésus-Christ, qui fait 6 mois avant, était un temps allé proclamer que Jean-Baptiste était prêché, il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, à planifier le sentier du Seigneur. Il était préparé la voix pour Jésus. D'ailleurs, nous savons que c'est Jean-Baptiste qui était baptisé Jésus. Jean-Baptiste t'a dit tout le monde qui t'a suivi, ses disciples, et pas moi que lumière, non? Je viens rendre témoignage à la lumière, qui c'est Jésus. Et puis Jean-Baptiste dit, cette lumière, alors, Jean 1, verset 9 dit, cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Et puis tandis qu'il s'en dit dans verset 10, ça c'est le Messie refusé. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde de là, point connu. Les mêmes qui fait tout le monde dans le monde là et le monde là pas connu. Pas oublié, il a parlé de monde là. Il n'a pas parlé de cosmos là. La Bible a parlé de monde. La Bible a parlé de monde trois genres. Premièrement, il y a le monde, le cosmos. Il y a le monde, la population mondiale. Il y a le monde, le système mondial. Vous comprenez? Le monde, le cosmos. Et le monde, la population du monde. Le monde, le système du monde. Et c'est lorsque il dit là, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connu. Regardez plusieurs mondes qu'il a. Elle était dans le monde, la parole a été toujours, la parole a toujours existé, et le monde a été fait par elle, c'est lui qui a tout créé, et le monde ne l'a point connu. De qui monde, dernier monde dans ce qui monde lié, il est facile pour ça. Monde qui est dans le monde là, il n'y a pas
Il pas accepté elle. Puis plus encore, mais à qui est-ce que je fais référence? Elle, la parole, Jésus-Christ, est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Qui est-ce qui est sien? Juif par elle. Jésus-Christ est juif. Il est venu parmi juifs par elle. Il y a 300 prophéties qui accomplies dans Jésus qui prouvaient que c'est lui-même qui est Messie. Juif ne pas recevoir. Ainsi, là, nous voyons le Messie refusé. Le Messie refusé. Et puis, nous connaissons Jésus-Christ comme ses ministères à 30 ans, fait 3 ans et demi de ministère, et pas tout le monde te connaît. Les chefs religieux te connaissent très bien. D'ailleurs, c'est eux qui complotaient avec l'occupant pour te tuer. Le peuple même te connaît Jésus-Christ très bien. C'est des foules plurielles qui te connaissent suivre. Les guéris malades, soyez lépreux, bâillez moun manger. Jésus-Christ était très populaire. Le commentateur yo, qui a la Bible en profondeur, a regardé qui va le monde qui va suivre Jésus. Nous jouons que des fois Jésus-Christ a une foule qui équivaut à 25-50 000 monde, qui a coûté. Vous comprenez ça, sans pile influence. Oui. Pharisiens et chefs religieux à l'époque, pas capable de réunir tout le monde. Et peut-être ça, Jésus-Christ mettait Jérusalem tête en bas, tout le monde s'est absolu, vous comprenez? Et il est arrivé que, après tout temps ça, tout troisième de ministère, nous connaissons comment ça y est, chef religieux, mettent ensemble avec le peuple là, et quelques nains, pour crucifier Jésus. Et nous songez, le mené Jésus-Christ by Pilate, mener Jésus-Christ devant le peuple là pour le peuple là prononcer. Puis il a dit, qui ça pour me faire avec ou à nous? Qui ça peuple là dit? Crucifiel. Crucifiel. Et là, il dit crucifiel, nous assistons à la deuxième étape dans le parcours juif. Ça, c'est le Messie rejeté. Le Messie rejeté. Il rejeté. Il était refusé. Il a rejeté. Il crucifié. Il a tué. Dans Jean 5, verset 43, Jésus-Christ a montré ça non passage. Dans Jean 5, verset 43, et Jésus-Christ a dit parole ça, et qui sont paroles célèbres, oui. Les pratiques et les prophétiques. Les pratiques par rapport à Jésus, les prophétiques par rapport à l'Antichrist. Dans Jean 5, 43, Jésus qui dit comme ça, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Il dit, mais non, papa, nous ne recevons pas. Sinon, l'autre monde vient, non, pas, nous recevons. Et l'intéressant pour qui mot Jésus-Christ utilisait lorsque la parole concernait l'autre, il dit, moi, vini, non, papa, nous ne recevons pas. Mais si on l'autre, yon l'autre, le dit, yon l'autre qui pas même bagarre avec. Et ça, moi impliqué. Et puis il dit, nous recevons. Et c'est des choses qui montrent nous que il était rejeté Jésus. Ainsi, le Messie refusait, le Messie est rejeté. Et depuis lors qu'on a été rejeté Jésus-Christ, je suis rejeté Jésus-Christ, il a cloué à la croix. Et depuis le ça, pour jour que je dis, hein, malgré des années, des siècles de dispersion que Juifs ont expérimenté, ils ont toujours rejeté Jésus. Juifs n'ont pas cru que Jésus-Christ est le Messie. D'ailleurs, Juifs qui pas cru que Jésus-Christ est le Messie, ils ont considéré les chrétiens comme monde capable d'adorer les idoles. Parce que nous croyons en Jésus. Et c'est nous sommes idolâtres. Nous comprenons? Troisième bagage, nous jouons dans la ligne Juifs. Qui pas quoi dans Jésus, non seulement nous jouons le Messie refusé, nous jouons le Messie rejeté, nous jouons le Messie remplacé. Le Messie remplacé. Qui l'on connaît, juif yo, pour remplacer Messie? Parce que si Jésus-Christ n'est pas Messie, il a cherché yon. Et le jouen yon, il a dit c'est le Messie. Et si remplacé dans la mesure où, mon yon pral choisi, Il prend place qui pas place li. Pour qu'on y a, juif yo,
Ils ont un pays depuis 14-1850, ils font mon état. Mais on a un pays, il n'y a pas un temple. Pas un temple, côté que même gens avec l'Ancien Testament, même gens pendant le Nouveau Testament, il y a le temple, côté que vous allez. C'est seulement un muraille dans le temple à côté. Il y a le mur de lamentation. Depuis lorsque le temple a été écrasé en l'an 70 de notre ère, lorsque un général romain qui était le Titus, est rentré à Jérusalem, écrasé toute bagaille, temple brûlé, etc. Jusqu'à présent, grand muraille qui était de l'ancien temple. Réalité, c'est que, pas oublier, dans Jean 1, verset 12, il dit comme ça, verset 11-12, Jésus qui est venu chez les siens, les siens ne l'ont pas reçu. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Regardez, nous avons une parenthèse là. Le Messie refusé, le Messie rejeté, pendant rejeté la grande parenthèse. Parenthèse là, Romains 11, verset 25-26, fait nous connaître qu'une partie d'Israël est entrée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit rentrée. Israël refusé, Israël rejeté, et puis l'Église rentrée, l'ère de la grâce. Il y a des gens qui posent la question, si Israël n'est pas rejeté, est-ce que nous avons une place non? Oui, et pas Israël qui fait que nous avons une place là. Place notée là, depuis avant la fondation du monde. Éphésiens 1, verset 1 à 3 dit comme ça, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons ses enfants, etc. Il nous a adoptés, rachetés, etc., choisis, etc. » Et si c'était depuis avant la fondation du monde. Et si ça Israël fait, son parenthèse côté que l'Église rentrait, mais nous apprendrait quand même parce que première raison qui fait que bon Dieu a choisi Abraham dans Genèse 12, Genèse 14, pour qu'il a choisi Abraham. Puis Abraham m'a choisi, m'a fait de une grande nation, m'a fait un grand nom. Toutes les familles de la terre seront bénies en ton nom. Et si bon Dieu t'a choisi quand même pour faire pas une rentrée, mais parenthèse Israël là, côté que il a passé carrefour, le Messie refusé, il a passé carrefour, le Messie rejeté, dans parenthèse ça, l'Église rentrée. Et dans parenthèse, ça nous est toujours. Parenthèse de la grâce. L'ère de la grâce. Nous voyons qu'il est la fini. La fini lorsque le dernier monde qui vient pour sauver a sauvé. Parenthèse de la grâce, là, il commençait depuis jour Pentecôte là. Lorsque l'Église fondée. Lorsque cet esprit descend de l'Église fondée. Parenthèse de la grâce, là, l'ouvrit. Nouvelle alliance, là, l'ouvrit. La fermée lorsque le dernier monde qui pour sauver a sauvé. D'après 2 Pierre 3, verset 9. Il dit comme ça, l'Éternel, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse comme quelques le croient. Mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. Et qu'il est parenthèse à fermer aussitôt que l'Église enlevée. D'après 1 Thessaloniciens 4, versets 14, 16, 17. Aussitôt que l'Église enlevée, gagnons chef. Gagnons chef en Europe. On chef en Europe. Cap dans tête, confédération de 10 nations. Et chef ça, c'est pral antichrist. Et chef ça, il pral essayer alliance pour le bail Israël, paix et sécurité. Et là, il signe alliance pour le bail Israël, paix et sécurité. Et pour commencer en période de 7 ans de tribulation qui est passée sous terre, eh bien, c'est le ça, Israël pral tomber dans la troisième étape, le Messie remplacé. Il a remplacé vrai Messie par un faux Messie. Et nom ça par d'autres, par un autre nom que personnage ça que Bible a relé comment Antichrist. Nous joignons un verset pour lui-même, c'est dans 2 Thessaloniciens 2, m'appelez-le pour même. Et verset 1er, tandis qu'il s'en dit, et c'est un passage qui montrait que Antichrist vient pour le paraître. Il dit dans verset 1er, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler de votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Et l'apôtre Paul écrit Chrétien Thessalonique pour le faire connaître. Mais comment avènement Seigneur a fait? Pas oublier, il y a enlèvement, il y a avènement. Enlèvement,
c'est lorsque l'Église, enlevée pour la joindre Christ dans les airs, l'avènement, c'est 7 ans après l'enlèvement, Jésus-Christ paraît visiblement toute jurelle sous terre. Ça, c'est l'avènement. Fait différence là. Enlèvement, avènement. Enlèvement, c'est privé. Avènement, c'est public. Mais c'est pas un gros. Eh bien, chrétien Thessalonique, et il a reçu quelques fausses lettres qui dit que c'est Paul qui écrit. Et Paul court dire comme ça, si nous recevons une lettre qui dit moi qui t'ai écrit, ce n'est pas vrai. Je écrit pièce. Les gens qui détourné nous, qui dit comme ça que l'avènement Christ a fait déjà, non, Paul n'est pas vrai. Puis Paul tout profite pour faire une étude biblique avec eux. Il dit, mais comment l'avènement a fait? Verset 3, il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Il dit comme ça, avant l'avènement fait, la terre a traversé une période d'apostasie. En période d'apostasie, moi, je dis, en période côté que quelqu'un est capable de donner la foi. Quelqu'un est capable de donner la foi, quelqu'un est capable de montrer que, quelqu'un qui était pensé que tu as la foi, acte pour le montrer que tu n'as pas de jamais la foi. Apostasie, apostate, monde qui n'a pas la foi, qui a abandonné la foi, qui montre finalement que tu n'as pas de jamais la foi. Et la terre, à travers ces moments-là, oui, tant d'apostasie. Il dit comme ça, non seulement ça, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître. Mais comment on a connu l'avènement par le fait? Avant l'avènement, il faut qu'on ait vu. L'un des avant l'avènement, avant l'enlèvement ou bien l'avènement? Avènement. Avènement, c'est combien d'années avant l'enlèvement? 7 ans. Ça, avant son gel. OK. Il dit comme ça, avant l'avènement, qui s'en a pour? On a pour entendre l'apostasie. Et puis, on a pour, il faut qu'on ait vu paraître l'homme du péché. C'est comme ça, il y a l'Antichrist dans la Bible. Il y a l'homme du péché. Son autre nom, il y a encore le fils de la perdition. Son autre nom, il y a l'Antichrist dans la Bible. Il y a bien oui, mais comment il décrit? L'adversaire qui s'élève au-dessus de tous qu'on appelle Dieu. Ou qu'on comprenne ça? Dans Isaïe 14, Ézéchiel 28, on a songé raison qui fait que Satan est chassé de ciel là. C'est parce que il était dit que je serai semblable au très haut. Mais sous temps de Odo, grand homme cap élevé au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, nom ça, son homme qui est animé de l'esprit de Satan, et il n'est pas l'autre nom que qui est là, Antichrist. Et il dit, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, il va le faire adorer, il va le faire adorer. Lui. Et une bagaille qui va arriver après, alors avant l'avènement de Christ, dans une temps période de tribulation, Antichrist, ça, qui va faire alliance avec Israël pour la paix et sécurité contre nation ennemie qui entoure Lio, eh bien, Israël a compris que c'est le Christ, c'est le Messie. Pendant toute première 3 ans et demi, grande tribulation, on est ces 7 ans, en 2 moitiés, Israël a bénéficié d'une paix relative sous territoire li, et Antichrist, à la tête de la fédération de plusieurs nations européennes, a garanti la sécurité. Et Antichrist a gagné pour chef Satan le diable, il y aurait le dragon. Antichrist, c'est la bête. Et puis après ça, aucun Bible a parlé de faux prophètes. Même il y a bon Dieu, grande trinité, Dieu Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et bien Satan tout, l'imiter bon Dieu avec un comité de droit. Il y a Satan le diable, que Apocalypse décrit comme le dragon, dans Apocalypse 12-13. Il y a l'Antichrist, que Apocalypse décrit comme la bête. Et puis il y a le faux prophète. Le faux prophète, c'est porte-parole d'Antichrist. Il est le premier ministre. Ça me dit là, me dit vite, mais j'espère qu'il y a une capacité pour songer. Parce que c'est pareil qui m'a dit, pour bien focus, pour qu'il songe. Le dragon, qui est Satan, la bête qui est l'Antichrist, et le faux prophète qui est son porte-parole ou bien son premier ministre. Dans mi-temps semaine, dans moitié 7 ans, pendant que Israël pensait que Antichrist c'est le Messie, Antichrist, à travers faux prophète, lui passait l'ordre pour faire une image de lui.
Image ça dans Apocalypse 13, il fait qu'on est que image là il y a un pouvoir pour le parler. Pour le parler. Et son image qui est vraiment mystérieuse. Alors, réalité, c'est que il prend l'image là, il fait placer l'image là dans le temple de Jérusalem, il fait placer dans le lieu très saint. Donc, comment ça implique? Donc, on est temple là, il y a un lieu saint, lieu très saint. Pour on est conçu dans le placer dans le lieu très saint. Et à coup sûr, il y a une image qui semblait avec Antichrist. C'est pas du cas causé ça, il va oui. Ça c'est toki wal toki konou tant que haïtien d'adou avec bon Dieu même. Ça c'est pas moi qui met parole. Mais nous là, il dit ça, mais comme on a connait avidement Seigneur après le fait. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, attendez, se proclamant lui-même Dieu. Et dans Matthieu chapitre 24, Daniel, depuis dans Daniel chapitre 9, il y a une prophétie qui baille déjà dans Daniel 9, verset 24-27, qui fait qu'on est sa gain pour fête. Et puis dans Daniel, la prophétie a baille déjà. Tellement prophétie affirme, dans Matthieu 24, Jésus-Christ reprend une prophétie Daniel là pour le fait qu'on est que ça vient pour arriver. Et Kembe de Thessaloniciens et qui t'en a fait un petit flané, un petit rivé dans Matthieu chapitre 24, ou après comment Jésus-Christ parlait de sa antichrist gain pour le faire dans Matthieu 24. M'appli pour même verset ça. Il dit comme ça. Et Jésus-Christ qui a parlé là, oui, ça avant de monter, avant et li aller à la croix, le monter dans le ciel, li bay disciples toute instruction ça, oui. Il dit verset 15, Matthieu 24. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, Jean Jésus-Christ a fait étude biblique avec disciples. Il dit comme ça. Le nouveau ouais abomination Daniel te parlé de l'IA effectivement abomination ça Daniel te parlé et de l'IA et ou joindre ni dans tant comme dit tout à l'heure dans Daniel chapitre 9 verset 27 et puis Jésus-Christ continue il dit comme ça. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le Daniel, établie en lieu saint, ouais, l'abomination établie en lieu saint. Yon abomination, yon bagay qui est abominable dans le contexte antichrist, c'est le fait que li prend yon idole, li metel, qui kote ça, dans le lieu très saint. Yon le ça. Depuis le prophète Daniel, il dit l'abomination. Il dit comme ça, les barailles sont arrivées. On met connaît que persécution commence pour tout juif. Il dit alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. En tournant dans 2 Thessaloniciens. Les barailles sont arrivées. Tout juif, yeux, il est prêt à le caler. Il a dit nèg ça. Li pa messia parce que bon Dieu compte idole bon Dieu pas même fait idole pour tête parle parce que là dit bon Dieu pas veut monde faire image taillée pour lui parce que comme Dieu dit clairement tu ne te feras point d'image taillée il peut être ça même dans le catholicisme cette affaire de faire une image de Saint-Pierre une image de maman Marie une image des apôtres. Nope. Bon Dieu compte image taillée. Même si font image de Jésus, bon Dieu compte. Même si son image Jésus fait. Vous êtes contre la parole. Parce que bon Dieu te dit, point d'image. Imaginez qu'il y a Antichrist qui fait une image de lui. Il fait déposer dans le lieu très saint.
Et Apocalypse 13, je ne peux pas vous lire. Il fait qu'on ait que l'image a une capacité pour le parler, pour le faire mouvement. Nous avons une image ça. Son tête chargée. Il dit comme ça, c'est bagaille ça qui va déclencher la persécution des Juifs, parce que mes antichrist qui devine sécuriser les Juifs, qu'on y a juste ouais que le pas le Messie, qu'on y a en pile dans yo rebellé. Yo rebellé. Yo contre lui-même et qu'on y a les mêmes qui étaient supposés yon émissaire de paix pour les Juifs, ils tournaient persécuteurs yo. Jésus qui dit comme ça, c'est l'en va ouais ça. L'apôtre Paul dit chrétien Thessalonique, c'est l'en va ouais ça. Et là ça ne va connaître que avènement. Il n'est pas loin. Je vais continuer de lire pour encore. Dans 2 Thessaloniciens 2. Il dit comme ça. Il dit comme ça. Verset 6. Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Notez bien. Là, il dit, est-ce que nous connaissons qui ça qui kembe Antichrist? Qui fait que le beaucoup paraît? Il dit, c'est afin qu'il paraisse en son temps. Il dit, le faut le paraître. Il y a un monde qui te pose une question qui dit est-ce qu'un antichrist dans le monde là jodi a m'ka dit oui et non et m'ka dit oui parce que nous pas connait qui le Christ il gain pour tourner et m'ka dit non dans la mesure où m'pa ka identifier mais oui et non dans la mesure où le gain pour paraître la paraître dans temps pâle. Mais gon bagay qui retenil qui fait que antichrist pas apparaître. Et nous pral regarder pour nous qui ça fait antichrist pas apparaître et dans verset pour nous. On va regarder verset. Il dit concernant verset 7. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère de l'iniquité, pas oublier. Verset qui plus haut, il y a l'antichrist. L'homme du péché. Le fils de la perdition. Et puis dans verset 7 là dit comme ça, le mystère de l'iniquité agit déjà. Ça qui veut dire que même lorsque l'antichrist peut comparaître, force li là, influence li là, pas oublier, gen antichrist, gen antéchrist. C'est même personne. Autant de par exemple, là, pour tout le monde, on parle en pile de antéchrist, antichrist. Antéchrist, antichrist. Et antichrist, la personne de l'antichrist. Et li poko atterri sous terre mais gen pile moun déjà qui possédait de esprit antichrist yo rele moun sa yo antéchrist nous comprenons moun ya nous comprenons moun qui possédait avec esprit antichrist yo c'est antéchrist et peut-être ça l'apôtre Jean dans 1 Jean 2 1 Jean 3 li fait connait que gen plusieurs antéchrist dans le monde et il met au pluriel. Ça quand même le pluriel alors que antichrist c'est singulier. C'est parce que il y a plusieurs monde qui ont esprit antéchrist nan yo et il a préparé la scène pour l'antichrist. Il y aurait ça le mystère de l'iniquité agit déjà. En d'autres termes, scène nan préparé pour antichrist paraître. Il dit il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Ça c'est gros verset d'appelé là, faut analyser. Il dit comme ça celui, oui. Ça veut dire que gon personne, gon moun qui présent, qui retenir, qui contenir force antichrist pour ne pas paraître. Il dit c'est l'heure, 10 moun ça a disparaître, que antichrist capable apparaître. Tout théologien yo, uni yo, pour yo expliquer sous base de parole bon Dieu. Qui personnage ça? Qui personne ça? Qui kembe antichrist? Qui fait que antichrist pour qu'on apparaît, c'est le déplacer, l'apparaître. En on lit verset 8, là, on va comprendre. Il dit comme ça, le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore est disparu. Il dit, et alors paraîtra l'impie. Celui, il dit, il faut que celui qui le retient est disparu. Et là, on lit toute la Bible, je n'ai pas de temps pour me prendre toute qualité verset. Ou abjouen que l'église te fondé le jour de la Pentecôte. Et l'église te fondé, elle te fondé avec la descente de la personne du Saint-Esprit. Et si la parole concernant, il faut que celui qui le retient ait disparu, nous tout connaît ça qui gagne pour arriver l'église.
de façon imminente, soudainement, l'Église vient pour enlever. L'Église vient pour disparaître. Ainsi, si ça pour faire Antichrist paraître là, ça, si ça qui kembe Antichrist qui fait pas paraître là, faut disparaître, seul ça nous connaît qui vient pour disparaître avant longtemps dans l'enlèvement, c'est l'Église. Eh bien, celui qui retient l'Antichrist pour qu'il ne pas apparaître, c'est le Saint-Esprit dans l'Église. Aussitôt que Saint-Esprit dans l'Église enlève l'Église, pas de fouet encore. Antichrist apparaît. J'en m'explique au lien, il faut pas j'oublier. Parce que malgré mon compte en pile, mon goût, même explique au lien. Pas oublier. Le Saint-Esprit dans l'Église, c'est ça qui kembe, qui freine l'Antichrist pas paraître. Mais le temps Antichrist pour temps Antichrist pas être arrivé, Saint-Esprit dans l'Église. Enlève l'Église, et puis mais ça paraît. Verset 8 l'a dit. Et alors, paraîtra l'impie. Vous qu'est-ce qui est impie? Antichrist, il est l'impie. L'impie. Que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Regardez, non seul verset, Bible à jambé, 7 ans tribulation. Non seul verset. Et non seul verset, l'apôtre Paul atterrit avec nous dans Apocalypse chapitre 19. Parce que, pas oublier, l'enlèvement se fera 7 ans. Alors, l'avènement se fera 7 ans après l'enlèvement. C'est à la fin de la tribulation, d'après Apocalypse 19, Jésus-Christ va descendre avec l'armée des cieux. Et tous les saints de l'Ancien Testament et les saints du Nouveau Testament avec lui. Ça sont gros bagages, ça, oui. Dans Apocalypse 19, l'armée des cieux descend avec Jésus-Christ. Tous les saints de l'Ancien Testament, tous les saints du Nouveau Testament descendent avec lui. Et toute armée antichrist qui vient pour combattre Jésus-Christ dans cette grande bataille qui vient pour faire dans la vallée de Megiddo, la bataille d'Armageddon, Jésus-Christ a porté victoire sur eux tous. La Bible a fait comme ça. Comment elle a fait ça avec Zam? Non. Mais elle dit là, oui, par le souffle de sa bouche. Le dernier moment, je te dis, mais comment Jésus-Christ pral craser plus que 200 millions de soldats dans la vallée de Megiddo, pour faire coalition pour goumer avec lui. Je te dis comme ça, Jésus-Christ a fait. Il y a quelqu'un qui pensait que c'était en mise en scène. Non, à part là, nous allons. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, hein, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Il n'est pas dit qu'à se causer, non? Il n'est pas dit qu'à se causer. Verset ça, verset qui font trembler. Et, il y a des gens qui disent comme ça, ben, pasteur, bah, il s'est amendé. Et, alors, qui te propose? Il y a des gens qui vont dire comme ça. Il y a un pile bagage qui vient pour vivre. Si je ne suis pas converti pendant la période de la grâce, je m'apprends chance moi pendant la période de grande tribulation. Tout le monde qui pose des questions, ça a mes réponses là. Est-ce qu'on est capable de prendre chance? Il dit comme ça dans verset 9. L'apparition de cet impie se fera par l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Vous entendez? Animé par Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. L'Antichrist paraît, la fait mon coin dans lui. Pas oublié. Hitler, dans la période nazie, en Allemagne, il fait un paquet de mon coin dans lui. Et Hitler était tellement influent, non, il doit tuer 6 millions de juifs en bas de tout le monde. Il n'y a pas de rien. Tout le monde a levé les mains pour dire Hell à Hitler. Ça qui montre que si Hitler a une influence, pas besoin d'où qui influence Antichrist pour aller sur la terre, avec miracle à fait, avec signe, avec prodige, etc., et qui c'est des prodiges mensongers. Et verset 10 l'a dit, dans 2 Thessaloniciens 2, et avec toute l'air qui ça, séduction de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Regardez, si on ne prend pas saisir l'opportunité pour se sauver pendant la période de la grâce, la Bible a fait qu'on est que pendant la période de tribulation, malgré les gens qui peuvent se sauver, mais bon Dieu a voyé
Bon Dieu a quitté au prend dans un esprit d'égarement. Verset a dit dans verset 11. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ça qui veut dire que, écoutez bien, oui, souhaitons mon te gain opportunité pendant la période de la grâce pour prendre Jésus comme sauveur, ou pas de prendre, pas gain aucune garantie qu'on prend Jésus comme sauveur pendant la période de tribulation. Parce que dans la période de tribulation, ministère Saint-Esprit gagné pendant l'âge de la grâce, c'est pas même ministère ça que le prêtre gagné pendant la période de tribulation. Dans l'Ancien Testament, cet esprit qui était un ministère qui était moins actif. L'idée qu'on vient sous le monde, il saisit le monde, il déplace. Dans le Nouveau Testament, cet esprit, non seulement il est sous le monde, il est dans le monde. Cet esprit dans l'Église. Le cet esprit enlevé avec l'Église, le ministère que le prêtre gagne pendant la période de tribulation, son ministère qui semblait être ministère dans l'Ancien Testament, il n'a pas même force à la période de la grâce là. Et l'on considère dans Jean 16, verset 11, 14, 8 à 11, c'est cet esprit qui convainc le monde pour qu'il soit sauvé. Parce que Jésus qui te dit comme ça, quand l'esprit viendra, il convaincra le monde du péché, du jugement, de la justice. Si c'est cet esprit qui convainc le monde pour sauver, si il y a moins d'influence cet esprit dans la période, il y a moins de conviction. Surtout pour le monde qui a des privilèges déjà. Ça qui veut dire que, à tout le monde qui pensait que maguetan, on va saisir pour ça. Ma plus verset encore, mais verset qui dit que pas prendre chance. Verset 11 de Thessaloniciens 2, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient comment? Condamnés. Ainsi, ça parlait de l'Antichrist, le Messie remplacé. De Thessaloniciens 2. Tout autant l'église sous terre, tout autant Saint-Esprit dans l'église, bon reste là. Saint-Esprit, alors, Antichrist, pas qu'apparaître. Pour Antichrist paraître, il faut que l'église enlevée, il faut que Saint-Esprit qui est dans l'église, qui freine là, déplacé. Ainsi, dans la conversion d'Israël, qui sujet nous jouons premièrement le Messie refusé, deuxièmement le Messie rejeté. Et puis, pendant la période de tribulation, Israël pral connaître le Messie remplacé. Et dans mi-temps semaine, dans mi-temps sept ans tribulation, il pral réaliser que l'Antichrist n'est pas le Messie. Et l'Antichrist pral persécuter. Ce sera le temps d'angoisse de Jacob. Parce que il y aurait l'abomination de la désolation, d'après Daniel 9, verset 27. Et dans Matthieu 24, ce sera le temps d'angoisse de Jacob. Parce que pral gen crier, pral grêler, mais bien aimé, juif, yo, pourquoi? Juif israélite pour finir souffrir, non? Mais bien aimé, juif yabrel souffrir en pile, oui. Son nation coule tellement raide, on dirait que toute destinée, c'est souffrance. Parce que toute souffrance qu'il prend, c'est parce que il n'y a pas jamais voulu obéir à bon Dieu. Traverser la mer rouge avec eux, ils ont joué bon Dieu après ça. Bon Dieu avec un ami ton désert. Il entend des voix, bon Dieu, sous mon Sinaï. C'est eux-mêmes encore qui dit Moïse, tant pris, nous peul. Elle parle avec le roi, nous ça le dit. Mes amis, peuple a fait 40 ans dans le désert, pour qui problème? Autant de bon Dieu parle, où est serviteur monté sous tête mon nom, les serviteurs descendent en parlant de Moïse. Nous avons tellement lu, mettant qu'on bougie. Son voile, Moïse met sous figure, le Moïse saute par là, bon Dieu. Et puis, peuple a gagné courage. Yo plein pour manger. Yo plein pour de l'eau. Yo joué bon Dieu dit finalement, pas rien m'a fait non. Nous tout grand monde qui sont en Égypte n'a mourir dans le désert. N'a mourir dans le désert. C'est puis génieux qui a rentré. Mais on s'est arrivé. Et touyer maman, touyer papa, petit yo était avec même j'aime là. Yo traversé avec Josué. Et le Jourdain. Ils sont arrivés dans le pays, mon Dieu, de promettre là. Malgré qu'ils ont fait serment devant Josué. Nous-mêmes qui lisons la Bible, nous bien. Qui ça Josué te dit? Josué te dit, malheur à nous si nous servons vieux faux Dieu qui nous quittent des Judéens. Les dieux des Amoréens, des Jébusiens, des Hétiens, etc. 110 ans, Josué te dit, ils font une grosse conférence à Sichem.
avant de mourir. Et puis il a tout dit. Josué, n'a pas servi mon Dieu, n'a pas servi mon Dieu. Josué dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Josué mourit pipe, qu'ils ont passé. Période des juges. Même problème, même idolâtrie. Chaque temps dans les idoles, ennemi vini, yo battu. Jusqu'à ce que nous atterrissons. Et yo vite demandé un roi. Premier roi, c'était Saül. Après Saül, David. Après David, Salomon. Après Salomon, vint mon schisme dans le pays. Le pays a vint divisé 10 tribus au nord, 2 tribus au sud. En 721, 10 tribus, captivité, pour être idoles. En 606, 586, 2 tribus, captivité, pour être idoles. Mabdou, m'papi, je fais. Je ne sais pas qu'il résume le mot là. Mon yon, coup peuple à l'aide. Jésus-Christ vini, yon rejeté. En l'an 70, de l'ère chrétienne, Titus vini, crasé, yon, dispersé. Malgré yon, yon est tout ça qui rive. Yon tourne la caille puissamment, par bras puissant, bon Dieu, miraculeusement. Yon fait mon état 14 mai 1948. Yon encore été sous territoire, yon. Yon pas quoi que Christ est le Messie. Et mais aussi tant que l'église enlevée, yon connaît, oui. Il va connaître sa Bible, il est le temps d'angoisse de Jacob. Israël, il vient pour souffrir en pile. En pile, il a couru, il a caché au bras. Oui. Et si nous parlons concernant le Messie refusé, le Messie rejeté, le Messie remplacé, et puis à l'avènement de Christ. Alors, pendant la période de tribulation, mon Dieu, ça son gros bon Dieu. Israël, finalement, prêt à atteindre la quatrième étape dans. Processus là, ce sera le Messie reconnu. Le Messie reconnu. Il y aura à reconnaître que Jésus-Christ, c'est le Messie. Mais pour reconnaître Jésus-Christ, c'est le Messie, qui sort qu'on est, mon Dieu, pour le faire? C'est gros généreux, mon Dieu, déplacé pour faire, pour reconnaître que Jésus-Christ, c'est le Messie. Pendant la période de grande tribulation, dans Apocalypse chapitre 10 et chapitre 11, bon Dieu dépêché de Superman, l'investir de gros pouvoirs pour sauter dans le ciel et descendre sous terre. Par rapport à acte, monsieur, ça a pris le poser. Pas de menti dans ça que deux monsieur, ça a par l'autre monde que Élie et Moïse. Raison qui fait que nous connaissons Élie, c'est parce que le dernier livre dans la Bible, c'est Malachi. Il était prophétisé que Élie est pour le tourner. Qui fait que si la Bible a dit que Élie est pour le tourner, qui est là pour tourner? Parce que Malachi a dit que Élie est pour le tourner. Et puis, deuxièmement, nous venons Moïse. Ça fait nous connaître que c'est Élie et Moïse qui vient pour tourner. Et dans Apocalypse 10, la Bible fait connaître que bon Dieu va envoyer deux témoins. Deux témoins qui descendent sous terre, viennent prêcher, viennent annoncer, viennent parler de bon Dieu. Deux témoins, ça veut dire pourquoi ça nous connaissait Moïse avec Élie. Il y a plusieurs raisons pour ça. Premièrement, avant que Jésus-Christ soit allé à la croix, dans Matthieu chapitre 17, Jésus-Christ montait sur une montagne bien haut. Il transfigure devant tous les disciples. Et sous tête, maintenant, il y a deux nègres. Non, c'est l'Ancien Testament paraît qui vient converser avec lui. Et M. Sayo était dans l'environnement, trois disciples Jésus-Christ, Pierre, Jean-Jacques, deux messieurs sous tête avec Jésus-Christ à parler. Et Bible a dit, deux messieurs Sayo, Bible a identifié, c'était Moïse et Élie. Bible a dit ça, oui, Matthieu 17. Moïse et Élie descendent sous tête de transfiguration, il a parlé avec Jésus-Christ. C'est dans la période ça, Pierre dit comme ça, Seigneur, on fait trois temps. Une pour vous, une pour Moïse, une pour Élie. Ça, c'est un gros causé, ça. Comment comprendre pour Pierre, jeune petit garçon, qui est à Jérusalem, pour le trouver, lui ou Élie, lui ou Moïse, son tête monde, pour l'identifier. Mais Pierre pas petit garçon, hein. Est-ce qu'on est prêt à nous réfléchir à ça? Pour Pierre trouver où Élie, oui. Élie, c'est nex ça, oui, que tu es monté dans le ciel tout vivant sans pas mourir. Non, chariot de feu. Bon Dieu, vous en limousine, bon monsieur, montez l'allée. Moïse, c'est nex ça, que tu fais pharaon d'Égypte. Tombé. Avec les dix plaies d'Égypte. Moïse. Et lui, il va débuter sur cette monde-là, oui. Il y a deux qui savent t'a parlé. Deux qui savent t'a parlé. D'abord, on m'a dit là, deux qui savent t'a parlé. L'arrivée dans le ciel, là, tu es qui ça. Il t'a parlé concernant la crucifixion de Christ, la résurrection de Christ et l'avènement de Christ. Et même quoi que, dans le sujet que tu as parlé, l'arrivée dans le ciel, là, tu es qui monsieur. Je t'ai parlé concernant l'œil tous les deux pour tourner. Comme les deux témoins de l'Apocalypse chapitre 10. Ça que nous connaissons. C'est parce que tout ça, deux témoins, ça a fait. Ces bagailles
Élie avec Moïse seulement fait dans le sang. Pas l'autre nèg qui fait. Témoin ça, il y a une capacité pour faire de l'eau tourner sang, pour faire la pluie pas tomber, pour faire la pluie tomber. Il y a une capacité pour faire du feu descendre. Les regards des descriptions témoins, il y a ces deux nègres seulement dans la Bible qu'on fait bagaille ça, c'est qui est Moïse et Élie. Ces prédications de témoins ça, capte bien, oui, pas bien, non, ça peut là. Ces prédications de témoins ça, qui pral causer que 144 000 juifs qui ont touché. Et ces 144 000 juifs qui ont touché à travers la prédication de Jésus, et bon Dieu pral tout choisi 12 000 par tribu. Dans Apocalypse chapitre 7. 144 000 mounsa et pas 54 000 témoins Jéhovah. Et pas 54 000 haïtiens ni américains. C'est 54 000 qui ça. Juifs des 12 tribus d'Israël. Dénomination qui a dit que c'est Israël par la foi. Yo. Ça pas normal pour que Israël, Paul, dans Apocalypse 10, dit comme ça, Dieu dans Romains 10, dit comme ça, Dieu n'a pas rejeté son peuple. Et un jour, à la fin des temps, Israël sera sauvé pour camper pour dire qu'on c'est Israël par la foi. Non. Eh bien, écoutez, non. À travers la prédication, les 144 000, la Bible a fait qu'on est que yo pral gaillé sous qui ça? Sous tout Israël, sous toute terre. Et puis, dans Apocalypse 14, yo fait qu'on est que après ministère 144 000, yo, maman, pour tourner bibou rapidement. Dans Apocalypse 14, parce que je dis en pile bagaille, puis leur allié avancé. Tandis qui ça qui dit dans Apocalypse 14, il dit comme ça, et l'homme prend et verset qui correspond, alors qui t'aime prend Apocalypse 10 là, qui t'aime pour avec travail témoin, qui t'aime Allah, il dit comme ça, l'homme prend et verset qui correspond à ça que nous avons parlé. Il dit comme ça, non, alors, il y a deux versets qui courent ensemble, qui te prend verset premier, dans Apocalypse 10. Et dans Apocalypse 10, et non, c'est 11. OK, il dit comme ça, et non, verset, Apocalypse 11, maintenant verset et 3, Apocalypse 11, verset 3. Il dit, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours, 3 ans et demi. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur... Mais du feu sort de leur bouche, oui. Il y a un dragon. On a gros dragon, gros créature mythologique, yo. Et par exemple, l'on regarde des films, t'as coup Godzilla, ouais, du feu absorbe dans la bouche. Mais ils disent que ça, et pas dans la bouche bête, non, du feu absorbe dans la bouche moune. Ils disent que si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche. Ils vont causer et dévorer leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie. Vous voyez, ça semble Élie. Pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, ça semblait Moïse. Et de frapper la terre de toute espèce de plaie, ça semblait Moïse. Chaque fois qu'ils le voudront, gros causer. Quand ils ont achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra, les tuera. Qu'est-ce que la bête là? Antichrist. Leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, Jérusalem, oui, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où le Seigneur a été crucifié, ça y est Jérusalem. Des hommes d'entre le peuple, les tribus, les langues et les nations verront leur cadavre pendant 3 jours et demi. Comment les hommes d'entre le peuple, les tribus, les langues et les nations, comment tout le monde a pu avoir mounza yo? Et quelques 50 années de cela, commentateur, pas de cas comprendre. Comment on va arriver à Jérusalem pour toute la terre kawel? Car les Jodias nous connaissons comment la terre. Bagay, étudiant de la prophétie, pas de cas comprendre. 60 ans de cela, Jodias nous comprennent. Hein? On va arriver à Jérusalem, mais toute la terre pour elle. Il dit des hommes dans tous les peuples. Verset 9, Apocalypse 11. Les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis en sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Les autres, il y a deux témoins. Antichrist a tout, il y a deux témoins. Deux supermen.
L'aile touye yo, moun sou la te fait fête. Le fait fête. Ils se réjouissent et se rendent dans l'allégresse, verset 10. Ils s'en verront les, des présents les uns aux autres. Y a font gros fête. C'est un gros Noël, c'est fin d'année. Y a bay cadeau. Antichrist touye détruit mon Dieu. Parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Ils ont une grande influence. Après les trois jours et demi, mais cause, moi mes films dans là. Pas aimé Hollywood font film comme ça pour nous. Après les trois jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux. Deux témoins, oui, et ils se tinrent sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici. On voit son édit de témoins monter. Et ils montèrent au ciel dans la nuit. Et leurs ennemis les virent. Vous voyez, oui, deux témoins, il fait trois jours et demi à terre. Après ça, on a monté, on y a couvert. Tout le monde est là, moi. Et puis, même pas, il va le faire charger. Verset 13, il dit, à cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre. Et la dixième partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre. Et les autres furent effrayés et donnèrent, les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel, etc., etc., etc. Ça, c'est gros causé qui influence ça qui va le passer. Mais qui ça qui va arriver? Puis devant. Mais bien aimé, après un pile problème, un pile tête chargée pendant la tribulation, un pile juif yo pral converti. Un prix de juif yo pral Jésus pour sauver yo. Au prix de leur vie, y a pu reconnaître que Jésus-Christ est le Messie. C'est peut-être ça, en prévision à sa gain pour arriver. Dans Apocalypse 1er verset 7, lorsque Jésus-Christ apparut à Jean, tandis qu'il s'est dit dans verset 7, Apocalypse 1er, il dit comme ça, verset 7, voici, il vient avec les nuées. Là, il dit Apocalypse 1er verset 7, pas oublier, nous avons commencé par Apocalypse. Apocalypse l'a écrit, mais tout chapitre Apocalypse n'est pas écrit dans l'ordre chronologique. Par exemple, deux témoins, il y a Apocalypse 11, alors que 144 000 là, dans Apocalypse 7, alors que c'est le ministère de témoins qui en vend 144 000 là. Regardez ça, Jésus-Christ dit là. Voici, il vient avec les nuées. Dans quel chapitre d'Apocalypse, nous voyons Jésus-Christ Jésus-Christ a venu avec les nuées. 19. Mais Apocalypse 1er, il y a un bon résumé de ça qui passe dans 19. Tandis qu'il s'en dit. Apocalypse 19 là, c'est qui ça lié? Enlèvement, bien avènement. Non. 19, c'est avènement. À l'enlèvement, Jésus-Christ vient pour nous. À l'avènement, il vient, il retourne avec nous. OK? Mais Apocalypse 1, verset 7, qui est un résumé, il dit comme ça, voici, il vient avec les nuées. Les nuées pour avec. Les nuées symbolisé la gloire de Dieu, les armées des cieux, les cieux de l'Ancien Testament, les cieux du Nouveau Testament. Il vient avec les nuées. Il dit, et tout œil le verra. Pas que ceux pas pour elle. Et puis il a ajouté pour nous, même ceux qui l'ont percé. Pas la même. Il dit, tout le verra. Allez, mon entier. Là, il dit, même ceux qui l'ont percé. De qui ça parle? De qui ça parle? Juvio, c'est eux qui t'ont fait, qui t'ont la cause de louer Jésus-Christ, même ceux qui l'ont percé. Faut les Bibles ou bien, oui. Et pas, bon, si la Bible a été expliquée tout ces détails, on va faire étude pour qui est-ce la Bible là-bas? Mais faut qu'on étudie la Bible là. Il, tout le verra. Même ceux qui l'ont percé. Pas ça? Ça a clair, c'est Juvio. Et puis il dit comme ça. Toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Ça veut dire que, moun pral rele ramrey, yo pral crier, yo pral dire, gade moun, gade si la, nou pat kwe selik Seigneur, elik Messia, gade selik Messia, dim ki les ki pral reconnaître plus que tout moun, ki pral crier en pile, gade Messie que n'te rejete, gade selik te Messia. Qui est-ce? Pas oublier, dans Jean 1er verset 11, dit comme ça, elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçu. Eh bien, dans Apocalypse 19, Jésus-Christ reviendra chez les siens. Et les siens vont le reconnaître. C'est dans le quatrième chapitre, là, nous sommes là dans l'histoire juive. Notez, ouais, le Messie refusé, le Messie rejeté, le Messie remplacé par l'Antichrist, le Messie reconnu. Et qu'on y a, nous avons joué dans Apocalypse 19, le Messie reçu. Et c'est dans la période de tribulation, juive, pral. Reconnaître Jésus-Christ est le Messie. M'a pris le même et puis m'a fermé. Nous avons posé une ou deux questions avant de finir. C'est le ça,
et prophétie a accompli, tout Israël sera sauvé lorsqu'ils verront celui-là qu'ils ont percé. Verset 1er, Apocalypse 19. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia !» Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Ça que fait voir ça qu'a crié Alléluia. Donc dans la fin de la tribulation, Jésus-Christ se prépare pour opérer son avènement. L'église finit d'enlever, nous pourrons le déplacer pour nous descendre avec lui. Nous sommes, regardez, l'on prend le pays qu'on ne connaît. Hein? Ou préparer mal et tout, et pour aller. Et ça avec un peu d'anticipation. Lorsque qu'on y a, au final, 7 ans après, toute l'armée des cieux, tous les saints de l'Ancien Testament, tous les saints du Nouveau Testament, ils ont foule qu'on ne peut pas raconter, pour aller débarquer sous terre. Jésus-Christ devant, oh l'Éternel, je vais dire ça comme ça. Jésus-Christ devant. Et puis qui pourrait y avoir qui dit avant de descendre? En gros voix forte, donc foule nombreuse dit Alléluia. Vous comprenez qui foule ça? Et foule qui va descendre. Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Pourquoi même dans la foule là, non? Je commence à parler. Il dit parce que, qui est-ce qui a dit pour la foule là? Oui? Ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée. Nous gagnons pour étudier ça encore, oui. Babylone la grande. Le système de corruption mondiale sera jugé. La Babylone économique, Babylone religieuse, Babylone politique. Bien pour juger. Dit Babylone la prostituée, la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et il dit une seconde fois, Alléluia! Sa fumée monte au siècle des siècles. Gon équipe figure là, qui m'a donné étude, et les 24 vieillards qui symbolisaient l'Église, les saints de tous les siècles, et les 4 êtres vivants qui symbolisaient la création tout entière. C'est l'Église qui est convenue dans l'étude. Ah, là, n'est-ce pas? Il n'y a pas de femme secouée tête. Moi, je dis côté Géchen, bagain coup, non? Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu. Et adorait Dieu, assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia ». Et une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez petits et grands ». Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu tout puissant est entré dans son règne ». Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Mais qui ça tout cause ça, oui? Quand les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il faut nous comprendre dans notre étude que le mariage de l'Église avec Christ aura lieu au ciel. Mais le voyage des noces, c'est dans Apocalypse 19, côté que le règne millénaire servira comme yon temps côté que l'époux et l'épouse pral diriger la terre après les noces de l'agneau. Ça dit go causer ça oui. Ça sont l'autre étude. Il dit comme ça, réussons et soyons dans l'allégresse, Apocalypse 10 verset 7. Donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Éphésiens 5 verset 24 verset 26. Mais verset 8 a dit comme ça, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin. Ça, c'est figure de fin lin éclatant impur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et pour mon trou, rad ça, c'est rad spirituel que oui. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Aussitôt que tout bail sera fini, noces de l'agneau est faite et l'église pral descend pour le festin. Ou par contre, l'on mariage fini, puis pral gen festin des noces. Eh bien, Bible a comparé festin des noces là à descente Jésus-Christ dans Apocalypse 19 pour lui régner 1000 ans sous terre. Parce que tout de suite après ça, dans verset 11, elle dit comme ça, puis je vis le ciel ouvert, et voici paru un cheval blanc.
Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Dans Apocalypse 4, verset 1er, ciel là, t'es ouvert pour Jean monter. Jean symbolise l'église. Mais là, dans Apocalypse 19, verset 11, ciel là, l'ouvrit pour l'église descendre avec Jésus-Christ. Il dit, je vis le ciel ouvert et voici par un cheval blanc. Pour personne ne gagne doute sur qui est-ce qui montait cheval ça. Il dit, celui qui le montait s'appelle comment? Fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Pour personne ne pas identifier peut-être pas qui est lié, Bible a tout expliqué. Ses yeux, nèg qui était sur cheval là, monde qui était sur cheval là, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Ça veut dire que son monde qui a autorité. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Et puis donc, son nom est qui ça? La parole de Dieu. Il y a un monde qui a dit qui est ça? Jésus. La parole de Dieu. Amen. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient. Sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient. Et pourtant, d'un fin lin blanc pur. Pourtant, des paroles, ça, on connaît que c'est l'Église. L'Église là, tout. Et puis, en parlant de Jésus, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Et puis, il dit comme ça, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse, un nom écrit. Qui ça nom est? Roi des rois et Seigneur des seigneurs. C'est là ça pour Israël, le Messie sera reçu. Ainsi, en parlant de conversion d'Israël, au compte dans quel chapitre est là? C'est 5 chapitres. Il y a le Messie refusé, le Messie rejeté, le Messie remplacé, le Messie reçu, le Messie reconnu, le Messie reçu. Quand on a qui chapitre Israël et la Gounia, il y a un chapitre le Messie rejeté. Aussitôt que l'église enlevée, il parle d'abord des chapitres le Messie remplacé. Après un pile douleur, pendant une période de tribulation, il a tombé dans le chapitre le Messie reconnu. Jusqu'à ce que dans l'Apocalypse 19, Israël est tombé dans le Messie reçu. Il n'est pas belle pour comprendre le bon Dieu, pour comprendre ce qui va le passer. Est-ce qu'il y a une question à fermer? Une grande question sur samedi. Et micro la fréga, mettre ça dans mes mains pour qu'on prenne quelques une ou deux minutes avec question et pour sous ça qu'on dit, ça va permettre que vous compreniez comment pour placer l'église par rapport avec Israël, par rapport avec ça qui a passé dans le monde actuellement, par rapport avec ça qui est pour passer et concernant ces 5 chapitres dans l'histoire d'Israël. Frère Oni, qu'est-ce que question là? Question pas normalement il y a 2 questions mais il y en a qui déjà répondent. C'est une question que j'ai sur 144 000 monde, là. C'est parce que 144 000 juifs, là. Mm-hmm. C'est parce que, ou l'Église déjà répondu, mais alors j'ai pensé que comment j'ai pas joué 144 000 juifs, là, parce que les juifs, il y a encore aussi 2% qui vraiment reconnaît Jésus et Messia. Je pense que ça suffit, mais alors on avec le pensant déjà. Deuxième question, c'est, vous parlez de côté, vous parlez de mettre idole là, côté dans le temple. Je me demande qui temple ça? Est-ce que le temple qui parle rebâti, est-ce que le temple qui est déjà rebâti dans le temple mettre là, ou bien est-ce que sinon l'autre temple, il n'y a pas de mettre idole ça? Son belle question, frère Oni. Et le fait même que 2 Thessaloniciens 2 fait connaître que Antichrist vient pour placer une idole dans le lieu très saint et pas un temple qu'on y a. Ça veut dire que pendant la période de tribulation, il y a un temple qui bâtit. C'est un verset qui montre nous que le temple de Jérusalem sera reconstruit. Et Daniel 9, verset 27, fait nous connaître que tu es en prophétisé que il y a une abomination qui vient pour placer dans le temple-là. Jésus-Christ reprend ça, Daniel, te dit dans Matthieu 24. Ça qui veut dire que c'est un fait, c'est prophétisé qu'il y aura un autre temple construit à Jérusalem. Mais pour le moment, si de côté temple là, c'est seulement une ancienne muraille qui est là, et sous site là même, il y a une mosquée, et je suis visité le dernier moment à Israël. Et question que un peu me poser, si il y a une mosquée sous site temple là, comment
y a capable craser mosquée a puis yo bâti temple là nous pas connait comment ça va le fait mais seul ça nous connaît bible la dit pral gon a gon l'autre temple a gon l'autre temple et juif yo qui connaît que pral gon l'autre temple yo gon institut même que créé qui c'est institut de la reconstruction du temple yo fait connait que le nouveau temple est déjà préfabriqué à n'importe qui moment et toute bagaille préparée stage là les bail possibilité il y a rebâti prochain temple là et si frère Oni prochain temple l'a bâti quand même parce que bible a dit l'a bâti même si ne pas connait comment l'a bâti mais l'a bâti. Est-ce que vous avez une autre question frère Onel? Question que moi gagné m'a demandé finalement les juifs yo reconnaître que Jésus-Christ est lui qui messia est-ce que c'est avant la bataille d'Armageddon ou bien après? Reconnaître que Jésus-Christ c'est le Messie, y a reconnaître ça depuis avant la bataille d'Armageddon, en grande partie, parce que d'ailleurs, 144 000 qui ont pour choisir pour parler, pour prêcher l'évangile du royaume, c'est dans la mi-temps tribulation même, il y a pour opérer gros travail ça. Et ça qui veut dire que bien au début de tribulation, il y a opéré gros travail ça et ça pral fait que grand pile juif cap gen temps préparé pour yo capable comprendre que Jésus-Christ est le Messie et ça fait un deuxièmement tout grand groupe qui pral comprendre ça c'est au milieu de la semaine au milieu des 7 ans de tribulation lorsque Antichrist prend image l'il place dans le lieu très saint. Maintenant, lorsque Jésus-Christ venait après la bataille d'Armageddon et côté juif côté païen, de pour te prendre Mac la bête, de pour te prendre Mac et Mac la bête pour battre prendre. De pour te prendre Mac la bête ou tout condamné. C'est ça, il caractérise dans Matthieu 25 comme le jugement des nations. Toutes les nations qui ont suivi l'Antichrist seront jugées. Et tous les juifs qui ont reçu la marque de la bête, qui ont suivi l'Antichrist, seront jugés. Nous avons étudié pour nous faire avant d'entendre Apocalypse 13. Côté que, dans la tribulation, nous avons tellement fanatique Antichrist, il a fait carnaval pour lui. Il a pris l'amour pour Antichrist. Il a dit qui est semblable à la bête. Il n'y a pas de se causer. Peut-être que les Christ descend. Ah, il peut l'opérer le jugement. Qui fait que c'est dans le contexte à la réponse à la question de placer. Ils ont parti à quoi? Dans mi-temps semaine, dans mi-temps cette tribulation, à cause de ministère de témoins, 144 000 et juifs également. Et puis ça prend le débouché lorsque Bata Armageddon arrive, Christ paraît, et juif là, je viens quitter prend ma nation, je viens quitter prend ma quitter fait route, quitter fait équipe avec Antichrist. Il a jugé et condamné. Et c'est comme ça la Bible a enseigné. C'est pour sa question, frère Ounel. C'est avant la bataille. Armageddon. Est-ce que j'ai une dernière question puis me fermer? Grande question que moi que on dit te poser, dit comme ça. Est-ce que n'a toujours à corps glorieux l'église retourner sous terre encore? Moi qu'on étudie me faire sur ça. L'église retourner sous terre, l'église retourner sous terre n'a descend avec Christ, mais l'en descend avec Christ, gon ville cap descend avec nous. Pendant que la terre gagne pour expérimenter 1000 ans de gouvernement en bas règne Christ, l'Église cap vive dans dimension céleste a descend sous terre, mais la descend sous terre dans ville li. Gon place ça, Jésus-Christ dit pour le préparer pour nous. Il dit comme ça, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé cette place, je reviens et je vous prendrai avec moi. Bah, ça font étude sur lui encore parce que gen moun qui confond ciel là avec la nouvelle Jérusalem. Le ciel c'est le ciel, la nouvelle Jérusalem c'est une ville. C'est une ville. L'on petit bon Dieu mourit dans les bras du Seigneur, là dans le ciel dans la présence du Seigneur. Mais Bible a fait connaître que gon ville Jésus-Christ a construit ville là gain pour descendre lorsque l'église descend c'est ville ça la nouvelle Jérusalem
Le Jésus-Christ vient d'établir millénaire sous terre, l'Église a régné avec lui, mais notre cité sera la nouvelle Jérusalem, cette ville. Ville, ça, c'est pas moins qu'inventé. Dans Apocalypse 21, il y a une dimension ville là. Il y a comment porte yo fait, comment poteau yo fait, comment muraille yo fait, tout bagaille clair. M'obliger font étude sur ça. Encore, pour moun connaît que ça fait place ça, et boy, blague lié, boy, sérieux lié. Nouvelle Jérusalem, non, la pendier dans non espace que moun capable ouais. Ou ka imagine va et vient saint yo a fait de la Nouvelle Jérusalem au palais royal à Jérusalem pour que yo capable gérer les affaires du roi des rois, du seigneur des seigneurs dans notre propre ville, une ville qui fait avec pierre, jaspe, sardoine et émeraude. Tout nous pas en l'île. N'importe 21. C'est pas tu qu'as causé oui. Et si corps de gloire, oui. Et frère Senatus, n'a pas non clore corps de gloire et li pap même corps avec moun qui pral vivre sous terre dans le royaume Christ. Pas oublier la terre dans le règne millénaire a continuer faire petit toujours. Mais non règne de justice et de paix et Jésus-Christ pral met ton règne de paix sous terre à côté que moun a capable recommencer vivre va le temps moun te kon viv nan tan noyé nan tan lontan. Nan Isaïe 11, di fè konnen ke a 11 ans dans le règne millénaire de Christ, yon moun ap on teenager, un adolescent à 11 ans. Vraiment j'ai ça ou gen a 100 ans m'le di. A 100 ans m'di 11 ans. A 100 ans ap on teenager dans Isaïe 11. Li fè konnen ça. Ou ka imagine a 100 ans on teenager et ba il réel qui pral qui va arriver. Et nous disons, nous bénissons, bon Dieu, que notre corps de gloire n'a pas régné avec Christ. Israël, son peuple terrestre, l'Église, son peuple céleste. Pendant le règne millénaire de Christ, chaque entité, chaque groupe, ça a régné dans la dimension païo. Mais l'Église a bien dans son corps de gloire, n'a pas dirigé avec Christ, non corps qui n'est pas limité par le temps, par l'espace, par la matière. Le Christ va diriger terre là pendant le règne millénaire. Jésus-Christ a dit déjà dans Luc 10, dans plusieurs dans évangiles. Il dit suivant Jean noté ses villes dans dispensation de la grâce là. Gen moun la ba autorité sous 5 villes. Gen la ba autorité sous 10 villes. Ça qui veut dire que l'el t'a parlé à il pas bagaille. Et pas soit vous faites si moun dormi. Nous pral chef. M'pa konnen moi même pour compte moi, yo capable bon responsable la Chine. M'pa konnen. Ça dépend de ça, le et puis ça crive tout. Nous n'avons pas besoin de prendre un avion pour mal côté ça. Dans le corps de gloire, là, nous n'avons pas besoin de prendre un transport pour mal côté ça. Nous n'avons pas besoin de côté à nos côtés. Parce que nous avons un corps glorieux qui n'est pas limité par l'espace, par le temps, par la matière. Quand il y a un monde qui dit Alléluia, je me fais bien à ce moment-là. Que bon Dieu bénisse nous. Pendant qu'on a parlé là, vous voyez ces fables, mais vous verrez. Je vais annoncer nous que avant longtemps, je vais vous présenter nous. Il y a un ouvrage tout neuf qui vient pour sortir, qui couvre tout le livre de l'Apocalypse. Je vais faire une pile étude sur l'Apocalypse. Et il y a un ouvrage qui est sorti qui couvre tous les 22 chapitres de l'Apocalypse. Et priez bon Dieu pour le sortir, parce que Jean va m'expliquer là bien simple. Je veux tout le monde qu'on a l'Apocalypse. Malgré le compliqué, bien simple. Une plus grosse difficulté que j'ai rencontrée, c'est simplifier l'Apocalypse. Oh, moi, je dormi dans mes temps en pile livre. Moi, je pensais en pile, je réfléchis en pile. Pour que Jean m'explique au livre simple là. Pour m'écrire un livre simple, son sujet qui est compliqué. Parce que tout petit bon Dieu, avant Christ, ou doit connaître l'Apocalypse ou 5 doigts. Ou n'est pas supposé membre de l'Église pour qu'on ait l'Apocalypse. Et dans la Bible, il faut qu'on ait. Amen. On nous grave pour nous prier, pour nous fermer. J'espère que tu passes un bon moment. Et ici, là, tu as suivi en ligne avec nous. J'espère que le moment, ça a, c'est ton moment qui t'est béni pour. On nous prie seulement pour nous faire mes études là. Et surtout pour gagner une offrande pendant qu'on sorti ou qu'on déposer offrande dans ton qui devant. Papa, nous qui dans le ciel, merci pour le temps que nous t'es passé. Merci du fait que pendant que Israël a traversé 5 chapitres ça dans la ville avec
le Messie refusé, le Messie rejeté, le Messie remplacé. Et c'est ça qui est pour rejoindre avant longtemps, jusqu'à ce que je tombe dans le Messie reconnu et le Messie reçu. Merci du fait que vous avez permis que nous recevions Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Non? Merci du fait que vous classez nous parmi nous sauver. Gloire à toi, Seigneur. Permettre que parole ça a aidé nous, motiver nous pour nous aller partout le monde, nous chercher la bonne nouvelle. Pour si là, eux qui n'ont pas capable de venir dans la lumière. Nous comptons sur vous, Seigneur. Nous traversons saison côté que le Messie était venu. Et nous célébrons encore la venue de Jésus-Christ parmi nous. Merci, Seigneur, de nous avoir donné dans ta grâce de recevoir Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Et ce soir encore, oh Dieu, nous confessons à nouveau que Jésus-Christ est notre Sauveur. Nous croyons qu'il était venu, qu'il est mort pour nous, qu'il est ressuscité des morts, qu'il est monté au ciel et qu'il revient un jour nous chercher. Oh, gloire à toi, Seigneur. Nous attendons le jour de ton retour. En attendant, ton Église est en salle d'attente. Ton Église est en salle d'attente, Seigneur. Nous attendons cette voix, cette trompette qui sonnera un de ces jours. Et pour que les morts en Christ et les vivants puissent ensemble aller à la rencontre du Seigneur dans les airs, pour que nous soyons toujours avec toi. Nous attendons le jour où cette ville, la nouvelle Jérusalem, descendra du ciel. Cette ville, cette place que tu as préparée pour tes enfants. Gloire à toi, Seigneur, nous l'attendons. Bénis-nous à soi pendant que nous avons déplacé. Bénis tout cela qui est en ligne. Aidez-nous pour nous rester fermement attachés avec vous, pas qu'il n'y ait rien. Fais-nous déplacer et fais-nous sortir. Fais-nous aller loin de présence. Nous prions pour Israël, Seigneur. Et pour les Juifs messianiques, nous demandons toucher et couvrir. Ça veut dire qu'on est, Seigneur. Nous encore prier et nous prier pour la paix d'Israël. Nous prier pour la paix d'Israël. Nous connaissons Israël, pas jamais en paix. Tout autant que ne pas reconnaître, ne pas recevoir le prince de la paix. En attendant, Seigneur, nous attendons ton retour. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, nous prions. Que la grâce, l'amour, la douce communion du Père, du Fils et de l'Esprit Saint reste et repose sur nos cœurs en Jésus-Christ, dès à présent et éternellement. Amen. Que bon Dieu bénisse. Amen.